Bon, Ninou qui est avec toi. Est-ce que vous êtes des geeks, les deux? Est-ce que vous êtes vraiment. Jeux vidéo? Vraiment? Non, justement, je vais vous parler du chat GPT. Ah. Qui est très chat GPT en ce moment? Enfin, intelligence alors, artificielle, sache entre que guillemets. Pour le clip, notamment de Caméléon, mais aussi de Paradis, on a utilisé de l'IA. On est passé par Midjourney et on a vraiment utilisé l'intelligence artificielle pour. Qui a fait quoi d'alors? Parce que ça, tu sais que moi, c'est le truc qui m'intéresse en c'est ce fascinant. Moment. Alors, fascinant et en même temps flippant. Alors. C'est en même temps flippant, mais fascinant. Artistiquement, ouais, y a tout un débat d'éthique. Tu sais, y a 6 mois, 1 an, y a une IA qui a gagné en fait un concours national. Et donc, du coup, il y a eu tout un sujet parce qu'on ne sait pas si on peut vraiment rétribuer une récompense à une IA. Mais dans notre cas de figure, en gros, tu sais, on a tourné un clip de base normal, classique. Et en fait, on a séparé image par image un moment du clip. On a envoyé la première image et la dernière image à l'IA. Et on lui a dit, entre ces deux images-là, on veut que le personnage principal, en l'occurrence moi, un petit moustachu, t'as capté, se transforme en Serge Gainsbourg, en Jim Morrison. Et donc, du coup, ça a créé un truc qui est encore un peu balbutiant parce que c'est les débuts de cette technologie. Mais franchement, le rendu, il est ouf. C'est dur. Et ouais. C'est bien. Ouais, attends, mais si ça va non, être... mais... enfin, je veux dire, dans 5 ans, j'ose même. Je pense qu'on fera des films. Ah ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. C'est ChatGPT fera le scénario. Enfin, tu vois. Ben justement, alors moi, je lui ai demandé, des trucs autour de toi. Est-ce que tu as déjà tapé sur une intelligence artificielle? Ok. ChatGPT en l'occurrence, mais est-ce que tu as déjà tapé, genre, qui est Lord d'Esperanza, machin, etc. Des gens l'ont fait pour moi. Moi, j'avais pas essayé, mais on m'a envoyé des screens de gens qui se sont amusés. Ouais. A priori, je pense qu'il dit pas trop de conneries hein, de ce que j'ai vu. Il s'est fait connaître grâce à sa participation au collectif La 75e Session. Hein. Il a sorti un premier album intitulé Drapeau Blanc, bien reçu par la critique. Internet en 2018, Polaroid en 2020. Bon, là, pour l'instant, c'est un peu le truc qu'on peut lire aussi un peu partout. Genre, sauf la 75S, qui est clairement pas du tout. Là, il s'est trompé. Mais voilà, donc ouais. Ça, c'était. Bah oui, 75e session. C'est plus la team, tu sais, Sheldon, Népal. Ouais, il a peut-être aussi fait un mélange de. Oui, rappeur blanc à moustache, quoi. Ouais, c'est ça. C'est dit, le mec a une moustache, il est blanc. Allez hop, 75e session. C'est ciao. Direct. Donc, il faut quand même. Tu as raison, il faut quand même vérifier. Malgré ce qu'on peut dire, ça ressemble donc là pour l'instant plus. On est plus proche d'un Wikipédia qui te sort des conneries qu'autre chose. Par contre, je lui ai demandé après, est-ce que tu pourrais écrire un texte que Lord Esperanza. Décidément, quelle blase, quelle idée de faire un nom comme ça. Franchement, c'est chiant. Esperanza pourrait interpréter. Esperanza. Donc, attends, okay. Je vais te le lire. Ok. Je vais te le lire. Et on va me dire si c'est un truc qui pourrait. Vas-y, mais je veux que tu le fasses en rythme, Fred. Hein. Moi, j'exige. Oui, mais justement, une manière un peu rappée. Hein. Je sais pas, ChatGPT, ce qu'il prend comme rythme, mais il est chelou quand même. Hein. Ah ouais. Dans cette ville de béton où tout le monde court, j'ai l'impression d'être seul perdu dans le décor. Je vois les gens passer sans jamais se regarder, chacun dans son propre monde sans jamais se parler. Putain. Est-ce que tu pourrais écrire ça? C'est ChatGPT qui a écrit ça. Ouais, je te jure. Ouais. En vrai, c'est ouais, c'est flippant. C'est très flippant. Le sens est très beau. Le seul truc qui réussit pas encore, c'est ce qu'on m'avait expliqué sur les IA, c'est ce qu'on appelle la transversalité. Apparemment, c'est en gros la capacité à réunir deux idées qui ont rien à voir. Et le refrain, tu vas voir, pour moi, il est. Vas-y, on voit. Je te fais le refrain. Avec une top line. Ah, fais pas chier, attends, il y a Nino pour ça. C'est vrai. Mais je sais qu'il y a de l'amour quelque part, dans les regards qui se croisent, dans les sourires éphémères. Je sais qu'il y a de l'amour quelque part, dans cette ville qui nous enivre et qui nous laisse solitaires. Ok, j'aimerais qu'on applaudisse ChatGPT, c'est possible de faire ça? Non, je suis pas sûr que tu as. On n'a pas le droit. Non, mais je suis pas sûr qu'on les applaudisse. Parce que c'est... Est-ce que tu pourrais te reconnaître là-dedans? Est-ce que... Écoute, ils vont prendre notre job, que veux-tu que je te dise? Non, mais vraiment. Non, en vrai, c'est un délire. Mais pour le coup, c'est cool parce que le refrain est plein d'espoir, ce qui est particulier pour une IA, puisqu'ils vont finir par nous contrôler, donc c'est un bon moyen de nous manipuler.